ma dulcinée. Amina, c'est ma fée. Je la revois encore avec sa peau couleur de belle. Elle a une beauté qui ne pouvait être soutanienne. Ses yeux étincelants ont toujours fait de moi sa proie. Amie est une fée et je l'adore avec foi. Sa voix est angélique et ça me balance au ciel. Ses lèvres magnifiques ont-elles aussi le goût du miel. Ses cheveux châtains n'ont vraiment pas trouvé d'égal. Ce n'est pas étonnant car ça ne vient du Sénégal. Félix ? Félix ? Félix ? Félix ? Allez, réveille-toi. Félix ? J'ai déjà entendu ça. C'est Félix. Il a fait une crise de paludisme. Il va mieux maintenant. Tu veux vraiment pas que je vienne? Sûr? Non, je suis désolé. Enfin, essaye de comprendre. Je t'embrasse. Nirabi. Thank you.
T'arrêtes pas de douter de moi. Et comment je me rase, moi, maintenant? Oh, j'en ai marre. Marre! Bon anniversaire. Ça va mieux, Félix? Mmh. Bon anniversaire, Amir Labi. Ça, c'est pour toi. Et puis encore ça. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Salut Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des filles et guerriers dans la savane ancestrale. Afrique que chante ma grand-mère au bord du fleuve lointain. Ah ah, je t'ai toujours connu moi. J'ai mon esprit en éveil, mes pensées s'y réveillent. Je prends des somnifères, mais non, il faut que je veille. Mon corps, comme un volcan, en éruption, je sens une impulsion avec une forte tension. Le génie. J'ai eu ma carte de séjour il y a une semaine. Non. Comment t'as fait? Bah, écoute, c'est de la loterie, hein. Non, je sais ça, hein. De toute façon, la vie continuera à vivre. Comme ça, toi. Je suis pas ta nana, moi. Hein. Alors, les garçons? Non, non, c'est rien. Comment ça, rien? Y'a jamais rien. Au revoir. Bon, on s'appelle, hein. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir. Tu fous là, toi. T'es pas avec ta nana? Ouais, laisse tomber. T'as vu la tête qu'elle fait? C'est pas grave, il vient. Et tu sais à qui elle me fait penser, Sally? Non. À Mariam. Mariam? Ouais. Mariam de Conakry. Non, mais si tu veux, je l'inviterai à ton enterrement. Allez, viens, on rentre.
Après, on m'a affecté à l'hôpital de Donka comme médecin. Je me rappelle le premier jour. Il est chaud. Les pleurs des enfants. Les gémissements. Tous ces gens couchés dans le couloir. Les malades, les familles entassées. J'étais obligé de les enjamber. Et ce type qui s'accroche à moi pour me montrer son pied à moitié pourri. Je croyais changer le monde. Finalement, j'ai vécu comme un baron. Et l'Afrique. Et maintenant, l'assistant assisté. Attends.